Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La Science te parle. Il y a bien longtemps et j'en suis désolé, plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Mais outre le fait que j'ai eu énormément de travail, je ne suis pas encore parti en vacances, j'ai aussi un petit problème technique avec mon ordinateur, mais rien de grave, c'est réparé. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique en biologie moléculaire qui s'appelle le Western Blot et je souhaite vous faire de temps en temps des petites vidéos sur les techniques en biologie. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup de méthodes scientifiques et de techniques scientifiques, mais je pense qu'il faut rentrer aussi dans le détail, et comme c'est mon métier et comme je les pratique tous les jours, je souhaite vous en parler. Mais juste avant, un petit point sur le programme de ce qui va suivre les mois prochains. Premièrement, sachez que la vidéo sur les essais cliniques est finie d'être montée, il faut encore une relecture de la personne que j'ai interviewée. Elle sortira donc en septembre. J'ai déjà fait 6 montages de cette vidéo parce que chaque fois on essaie d'améliorer. Elle dure à peu près 1h30, on veut quelque chose d'extrêmement précis et de factuel. Et puis c'est une professionnelle des essais cliniques que j'ai interviewée, mais on a rajouté plein de choses, vous verrez, la vidéo est absolument géniale. Ensuite, il va y avoir un certain nombre d'autres interviews qui sont déjà planifiées. La première, c'est celle de Tania Louis. Je pense que vous la connaissez tous, Tania Louis, qui va nous parler de médiation scientifique. Ensuite, j'ai programmé une interview avec un professeur de Genève, professeur Kova, qui lui va nous parler du Quick and Dirty, de la méthode Quick and Dirty dont j'ai déjà parlé en vidéo, mais lui est plus professionnel que moi sur ces questions-là, donc autant interroger un professeur qui connaît très bien ces questions-là. Ensuite, il va y avoir l'interview d'une de mes amies, Justine Lardon, où nous allons parler de vaccins, et vous allez voir, son histoire est absolument incroyable, et puis c'est quelqu'un qui pousse les gens à se faire vacciner malgré ce qui lui est arrivé, et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut que vous écoutiez, vous allez voir que son discours est extrêmement intéressant. Ensuite, il va y avoir une vidéo, donc ça j'en avais parlé déjà au mois de mai, mais la vidéo sortira beaucoup plus tard, sur le recyclage du plastique, notamment sur une technique d'une boîte française qui a révolutionné le recyclage du PET. Et enfin, il y aura une vidéo, et ça on me l'a demandé, mais je pense qu'elle sortira peut-être pas avant 6 mois, mais je vous dis, voilà, comme ça en gros, les programmes de vidéos qui sont déjà en cours de travail et qui vont sortir prochainement, qui sera sur le jeûne intermittent et le cancer et le système immunitaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur internet qui sont complètement fausses, donc je crois qu'il faut qu'on en parle. Et enfin, j'avais promis aussi une vidéo, mais ça je la mettrai dans la technique bien sûr en biologie, c'est sur les animaux de laboratoire, parce qu'il y a eu une fake news qui est sortie énorme ces derniers temps et il serait peut-être bon d'en parler. Donc voilà, je vous remercie, je vous laisse écouter la vidéo sur Western Blot et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche et d'aller sur Twitter, c'est où je suis le plus présent. Merci.